Atos, une entreprise de 400 salariés spécialisée dans la tôlerie fine. Depuis 2012, elle bénéficie de dispositifs d'accompagnement tels que le crédit d'impôt pour la recherche ou le CICE, le crédit d'impôt compétitivité emploi. Au total, près de 500 000 euros par an. Un effort financier nécessaire, selon Clotilde Walter, pour garder l'emploi dans cette entreprise modèle, au carnet de commandes prestigieux, mais soumis à la concurrence internationale. C'est une belle PME française qui produit de la haute technologie, qui est toujours sur les créneaux industriels les plus en pointe et qui en plus a une politique qui est à la fois dans l'intérêt social de l'entreprise, c'est-à-dire qu'on a un actionnaire qui prend ses responsabilités, qui investit, qui ensuite a un outil industriel des plus modernes et qui en plus recrute et a une politique active de formation à l'égard de ses personnels. La formation et l'apprentissage, justement une priorité affichée dans le plan d'urgence contre le chômage, annoncé le 18 janvier dernier par François Hollande. Un plan qui prévoit notamment de multiplier par deux, soit passer de 500 000 à 1 million par an, le nombre de formations pour les chômeurs. Clotilde Walter est venue en expliquer la mise en œuvre qui s'appuiera sur les régions pilotes en matière de formation professionnelle. Elles vont signer des conventions avec l'État et les partenaires sociaux et l'État leur déléguera les financements correspondants au fur et à mesure de la mise en œuvre de ce plan. Ce plan va être travaillé territoire par territoire. En Normandie, l'objectif est de passer de 30 000 formations à 45 200. Pour cela, l'État et les partenaires sociaux s'engagent sur une enveloppe de 45 millions d'euros. Reste à identifier les besoins. La région se donne 6 à 8 semaines pour faire ce diagnostic avec les entreprises.